des propos sans ambiguïté. Ce dimanche 5 février, Olivier Véran était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 Les Écoute-nous. Au micro de la journaliste Sonia Mabrouk, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé au sujet de la réforme des retraites, qui sera examinée à l'Assemblée nationale à partir du lundi 6 février. Après avoir félicité la droite pour sa cohérence, son ouverture ainsi que son aptitude à travailler en commun, il n'a pas mâché ses mots vis-à-vis de l'opposition. Disant redouter une obstruction bête et méchante de la NUP, l'ex-neurologue au CHU de Grenoble, Isère, a jugé que les 18 000 amendements déposés par la gauche ne servaient, et, à rien. D'après lui, en effet, cela reviendrait à jeter de la soupe à la tomate sur un tableau. De cette façon, le papa de deux jeunes enfants, prénommés Nina et Romain, a fait allusion aux multiples actions conduites par des militants écologistes dans des musées du monde entier. Olivier Véran divorcé jusqu'ici, ça fait des mois que les oppositions attaquent notre projet sans se montrer, a aussi estimé Olivier Véran, quelques minutes plus tard, dans le même contexte. Avant de reprocher aux députés de la NUP d'être des taxomaniaques, qui veulent tout prendre, à tout le monde. Et d'ironiser ensuite en ces termes, finalement, la seule chose qu'ils ne proposent pas encore de taxer, c'est la grève. Avant de devenir ministre de la Santé le 17 février 2020, Olivier Véran était un presque inconnu aux yeux du grand public. Certains le connaissaient à travers son statut de député, socialiste puis le REM, d'autres pour sa profession de médecin. Cet engagement politique n'a pas été sans conséquences sur sa vie privée. Dans son livre « Par-delà les vagues », publié le 8 septembre dernier aux éditions Robert Laffont, il avait évoqué son divorce avec Camille Hulen, une gynécologue obstétricienne basée en Isère, qui a été sa femme pendant 10 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture CNU.